Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission à la découverte des Montrougiennes et des Montrougiens. Encore une émission musicale avec Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Sébastien. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux Montrougiennes et aux Montrougiens ? Alors, je m'appelle Jean-Marie Lot, je suis Montrougien depuis 1999, ce qui commence à dater, et je suis chef de chœur, compositeur et auteur. Vous avez toute une carrière assez très très fournie, on vous a notamment vu passer des fois à la télé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette carrière ? Alors, mon activité, c'est d'être compositeur-auteur, donc j'ai écrit pas mal de chansons, et puis je fais des musiques pour l'image beaucoup. Des trains pas comme les autres, Faites entrer l'accusé, pour ne citer que ces émissions-là. Il se trouve que voilà, je présentais des chroniques au magazine de la santé et un producteur me dit « Tiens, on veut créer une émission autour du chant choral et ça s'appellera Le cœur du village ». Donc ça s'est passé dans les Landes et dans le Pays Basque où on voulait, pour restaurer un bâtiment art déco qui deviendrait une école de musique, financer le projet, enfin contribuer à financer le projet, en créant des chorales et en faisant des gros concerts avec des artistes un peu connus, Patrick Fiori notamment qui était venu chanter avec nous, Anne Etchegoyen qui est une artiste locale. Et donc voilà, Le cœur du village, ça a été un... Oui, si vous reconnaissez Jean-Marie, c'était là que vous l'avez vu. Et puis voilà, et puis sinon j'ai écrit des chansons, des contes musicaux avec Zazie Sol en cirque. Je travaille avec les enfoirés aussi, voilà. Chaque année. Vous pouvez nous raconter les enfoirés. Mais les enfoirés, voilà, il y a des chœurs. Et donc, parfois sur scène, visible et en quantité, et parfois un peu hors champ. Et voilà, je m'occupe parfois de cet aspect chorale, des choses. Voilà. Comment vous en êtes venu à la chorale ? En fait, je pense que ça vient de très loin. C'est-à-dire que chanter ensemble, je pense que c'est quelque chose que j'ai dû dont j'ai dû sentir la force quand j'étais au collège, que j'étais très timide, que j'ai commencé à avoir une guitare, que je voyais que quand on chantait ensemble, on pouvait avoir des relations avec les autres qu'on n'avait pas si on chantait pas ou si on n'avait pas une guitare dans les mains. Voilà, j'ai senti que c'était une clé de contact absolument forte. Ouais, irremplaçable. Et justement, on se retrouve pour parler d'une chorale, qui va être éphémère. C'est et ça. Qui va se lancer dès dimanche, là, dimanche 24. Voilà, le dimanche 24 à 15h. En fait, ça part d'un chœur qui s'appelle Les Voisins du Tuc, qui est un chœur que j'ai créé il y a 30 ans maintenant. Et on a un principe qui s'appelle Ya Capella, qui permet en 2 heures, on fait chanter 3 chansons à un public qui est entre 100 et 150 personnes tous les mois. Il se trouve qu'il y a une pièce qui s'appelle France, qui en fait, autour de la victoire de l'équipe de France en 1998, traite de la cohésion, en fait, de ce qui fait que les gens se rassemblent autour d'un événement heureux. Et c'est pas si souvent que ça, c'est parfois autour d'événements malheureux que les gens se rassemblent. Et Céline Frugnac, qui donc dirige le théâtre du Beffroi, m'a dit « Mais tiens, ça serait peut-être intéressant, vous qui fédérez du public pour chanter ensemble, de faire un lien entre cette pièce et votre activité de chef de chœur, et donc de faire chanter à un public montrougien et au-delà des chants qui sont liés au football. » Avant que la pièce ne démarre. Ouais. Voilà, donc on se fait une espèce de répétition générale avec papier, hein, bien sûr, tout ça, ça sera simplement fait simplement, le dimanche à 15h et avant le spectacle à 19h30, le 26, mardi 26, eh bien on chantera devant le théâtre en accueillant le public qui viendra voir le spectacle. Qui viendra voir le spectacle et ses chansons. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 chansons ? Alors voilà, la compagnie s'appelle You Never Walk Alone, qui est un chant de Liverpool. Alors on va pas chanter celle-là parce qu'elle est très compliquée, mais on va chanter une chanson qui s'appelle Platini, qui est une chanson de Julien Doré. On va chanter Les Corons parce que c'est l'hymne du Racing Club de Lens.
Et puis on va chanter Seven Nation Army, qui est une une chanson fédératrice dans tous les stades du monde entier. Quoi. Exactement. Super. Et voilà, n'importe qui peut venir. Ah, n'importe vraiment. Quel âge, n'importe quel. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir, les petits, les grands, les moyens. Voilà, c'est vraiment tous âges et tout public. C'est vraiment pour le plaisir. Quoi. C'est pour Super. Le plaisir et sans complexe. Et en fait, on a maintenant une bonne maîtrise de chanter ensemble et comment faire en sorte que ce soit vraiment harmonieux et gratifiant pour chacun. Super. Et oui, faut pas hésiter à venir, même si, idéalement, si les gens peuvent être là le dimanche et aussi le mardi, c'est l'idéal. L'idéal. Mais après, faut pas hésiter à venir. Surtout s'il fait beau, parce que ce que je me dis, c'est qu'à terme, ça me donne quand même l'idée que... au Beffroi, je sais qu'il y a des dimanches où on danse ensemble, mais je pense qu'on pourrait renouveler le fait de chanter ensemble. Le fait de chanter ensemble, complètement. Sur la place de Montrouge ou dans le jardin, près de la place des États-Unis, là-bas. Oui, complètement, complètement. Bon, en tout cas, c'est une super initiative et on a hâte de découvrir ça tous ensemble. Et sinon, on peut retrouver aussi... Alors, les voisins du Tube, leurs 30 ans, on va faire deux concerts importants qui seront au Théâtre des Mathurins le 3 juin prochain à 20h et... le dimanche 9, alors c'est peut-être le lundi, non, c'est... enfin il y a peut-être un lundi, c'est le 3 et le 9, donc, et à l'Européen, voilà, Mathurin et l'Européen, 3 juin, 9 juin. Super, on donne rendez-vous aux Montrougiennes et aux Montrougiens pour toutes nombreux. Ces dates, en tout cas, venez nombreux, merci beaucoup Jean-Marie merci, pour cette interview, on espère qu'il y aura plein de monde pour chanter fédéré dimanche. Merci beaucoup. Super.